Bonsoir tout le monde, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. Bienvenue sur Cuisine et Astuces, où nous allons apprendre non seulement à cuisiner, mais nous allons apprendre beaucoup, beaucoup d'astuces. Je vais proposer des astuces et vous allez proposer également. Au menu aujourd'hui, nous avons du red tilapia et le tilapia normal. Donc, je vais les mélanger. J'aurai besoin des champignons, maillebo, des crevettes, huile d'olive, des gros sels. C'est du bon sel en tout cas. Ce sera du gros sel. Et pour ça sera plus tard, nous aurons besoin des oignons. On aura besoin des oignons, de la ciboulette. Et en fait, j'avais déjà commencé à couper les champignons. Est-ce que la bande coca t'a déjà maïbo? Donc, il y aura mon indam kuna. Donc, j'en aurai besoin plus tard. Pour épicer mon poisson, j'ai mis un peu de bouillon de poulet déjà. Dans mon petit blender ici. Donc, j'ai mis un peu de céleri. Nazana céleri nakati. Nazana moi gingembre. Tangawisi. Nataki moi sel, nataki pe moi ciboulette, ndembi nakati, que je vais pisser avec mon poisson. Et dans le poisson, je vais rajouter le cajoun. En fait, je ferai la même épice que je vais mettre dans le poisson. Pardon. Oui, la même épice que je vais mettre dans le poisson, ça sera la même que je vais mettre, les mêmes épices que je mettrai dans mes crevettes. Donc, je vais mélanger le poisson et les crevettes. Donc, je vais passer. Nako épicé mbisinanga et puis nako épicé pe ba crevette nanga ko fanda mukie après nako fanda sango mwa mukie pour épicer kota bien nako kalingango après ce qui na kalingi nde nako ya kosala sauce nanga oyo akoti kozomona onion ciboulette un peu na ba na mayibo donc bon que ne musika te je veux rien tout de suite nako épicé poisson nanga et puis je reviens à tout à l'heure. Donc voilà, j'avais fini avec mes tilapia. C'était trois tilapia. Ma kalinga qui en haut déjà. Tout à l'heure, ma présenta qui du l'ouroni non sale là. N'a épicé qui tilapia l'angaï. N'a épicé pe la chouette. Voilà. Donc tiens, au moins c'est trop. C'est qu'on a l'eau sale là. N'a kalinga ma tungulu. Ma tungulu en haut. N'a timandembi, ciboulette. Je vais diminuer le feu parce que non, c'est la même huile à friture, on a celle-là qui nous faut. Donc voilà. Donc voilà, je récupère mon champignon. Donc, là, ça, on a moins champignons. Ah ouais, ils apportent à Bella. Nabasco onion so, vous pouvez en trouver ça en gros. Au Walmart, Aldi, Ice White. Donc, les azazon en gros. C'est un kata qui avant. Donc, voilà. Je mets ça dans l'huile. Oh, on a kata qui un peu avant. Donc voilà, notre recette d'aujourd'hui est la tilapia aux crevettes aux champignons. Vous savez, bah faites des zoya, au lieu de préparer toujours à chaque fois les mêmes histoires, ils accapent bien pour changer. Voilà, maman, il y a un peu que. Kikalung Nanga, ma poêle elle est un peu petite, donc je vais transiter dans une marmite pour mieux mélanger mes épices. Voilà. Si dans la marmite c'est encore mieux. Et voilà. Donc, je vais mettre ça à côté.
Donc, je disais que la cuisine, les mamans, il faut un peu qu'on change les nettoyages à chaque jour et tout, il faut qu'on varie à ça. On mange du tilapia à chaque jour, ça, c'est juste création dans la moko, je pensais. Et puis, ce n'est pas qu'il y en a un go, et l'autre, il y en a un go. Voilà. Comme j'aime bien beaucoup les champignons, si ma ramène bien ambitieux, alors je pensais avoir des champignons. La portabelle, là, il y a un niveau ça là, niveau kalingama. Donc, c'est comme ça que ça se présente dans la marmite. Ça mijote un peu, voilà. Je vais prendre maintenant mes shrimps. Je vais mettre un peu de citron. Citron, en tout cas, na fish nyonso azaka bien. Na mbisi, net na crevette boyel, citron azaka fin. Non seulement pour la colombola zéi, mais également, et ça a goût quoi bien. Le goût là, un peu aigre, il va faire toujours bien. Donc je mélange mon citron. Après, on a pour rajouter en haut, on a des champignons en haut, on a salaki. Déjà, ah, il y a déjà un mou, en haut, j'avais déjà épicé. Même épice, na sel qui si là, t'es même épice, na sel qui n'a pas de awa. On a au caling en haut, en même temps, en rajoutant la sauce au yo. Shrimp, en tout cas, crevettes, à vous mélanger vraiment mini mini dans mon sauté. Il y a mon enfant qui légumes dans les mamans entières. Après, je vais rajouter. Quand on cherche shrimp, on a balu si mon dame, vous êtes en fait, on a une petite pour mal. Et les balles, les mamans cassées. J'ai un peu, elles ont un peu croquant. Les légumes dans les un peu croquant. Voilà, je dis bien pour le feu. Je suis à medium. Donc, maman Kati Kati. Voilà, je vais rajouter mes shrimps à l'intérieur. Ce qui est belly, dans 500, on a tiré à Pénangaï. All together. Nous sommes ensemble. Donc voilà. Déjà, je vais présenter mes vœux les meilleurs à tout le monde qui me suit. À tout le monde. Au Bazoulandana en ce moment. Meilleurs vœux à vous. Joyeux Noël. Meilleurs vœux pour l'année 2020. Donc les mamans, changez un peu la façon de cuisiner. Manger la même chose chaque fois, c'est fatigant. Nous tous on sait là-bas, États-Unis, on a l'Ibanda Autobima, États-Unis, Europe et tout ça à l'extérieur du pays. C'est vrai que ton orlais, bah, du lot qu'on a mis sur bah, Pondou, bah, Fumboa. Mais à côté, par exemple, moi, Mbissi, moi, ils ont la façon de bela roulant belamo. Il faut éviter un peu la monotonie. Là, je vais un peu goûter. Pour voir si je vais rajouter un peu, soit de sel, soit bouillon. C'est au choix, en fait. Donc, on a mon dengenaé à l'ambela, à l'ambela, à l'ambela, à l'ambela. Voilà, je vais rajouter ma soupe parce que pour les aïkis, ça va bien en quatre. Donc voilà, Dengazo s'est présenté déjà. C'est bon quoi. Ça sent vraiment très bon. Voilà. Je pense que je vais rajouter un peu de sel. Donc ça m'en manque. Je vous avais présenté ces sels bien avant. Les amasels à minen et les gros sels. C'est comme les sels qu'on utilisait en Afrique. Il paraîtrait que c'est du bon sel par rapport à le sel raffiné ou les arrêts, ben, ni qu'à sel de table, voilà. Donc, sel à bien et en bouée. Je vais juste rajouter un peu. Donc, vous pouvez voir, ils ont la sel à minène. Ici aussi, on en vend dans le magasin Zali. Dans Walmart, ils ont. Ça, c'est pas qu'il y avait épices, soit non, il faut ta là. Comme ici, c'est anglophone, on dit Corse. Yango, voilà. Du bon sel en fait. Donc
Bah, les légumes n'ont pas ça là. L'astuce, on a même la cuisine de l'eau, j'allais le dire à la femme, hein, parce que ce qu'elle va dire dans le dos de l'anga est belle, du coup, on a un onus. Et c'est, je veux, non, boire comme on lit, non, tu as un bisin à quatité, je sais que ça va au bâtir à Ozambisin, à tiens, on a quatre awa, et toki sous moi, mon qui est, ça aussi, c'est une façon de préparer. Moi, ce que j'aime bien faire, nous avons quand même des délicats bien bouillés, nous avons un bois qui est un calico, un bisin à la. On a un bisin qui est à l'emba. Parce que non, c'est un bisin à maïté, il faut la sauce, non, non. C'est juste un bisin à la mélange, la tienne, on va crevette, nous avons tout comme on l'icolo, ah ouais. Mais puis, au pays, on a quatre fois, c'est dans le cas où on a mis des en moins sucre, non, on tient. Et puis, ça va entrer dans mon poisson, donc ça sera bon, quoi. C'est ce qu'on va faire. Voilà, là, c'est tout ce qu'on a fait pour la nabino, c'était quoi aujourd'hui, parce que. Après avoir collé sur toute notre nourriture, on a vu qu'il y a Congo, africaine, parce que nous dans les appartements, dans les maisons, on a vu qu'il y a Lamba et on a vu qu'il y a des talibans, on a vu africaine. Alors pendant longtemps, sur le collé, c'est surtout le poisson. Le poisson, c'est ce qu'on a vu. Ça sent tellement. Moi, je suis allé à l'étiquette, je suis allé à il y a ma photo qui est toujours au bout d'un moment, mais ça prend peut-être deux jours. Ce que moi je fais, c'est quoi? Après avoir collé un baboué, je vais prendre une petite marmite du genre moi boué. Je mets du café. Je dis, oh, il y a un café dans là. Je vais mettre un peu de café. Si on a sur l'amba, nous en tout cas, on a cagni bamoto dans là. Quoi maintenant, là, j'ai deux fenêtres ouvertes pour aérer en même temps, bien que tout le monde a hiver, on a l'ingraté sur le ticana kati. Donc, après avoir coaéré un mot, na rozoa marmite nanga natie maye na zo kataka mo anka na zo si sana sokulo nanga natie ango avec un peu d'eau. Le café en fait arôme à café wana et aux anda pour mère anda pour ma elongolara sur le poisson. Ba misus ba sale la ka, ils prennent du genre vinaigre. Misus ba zora vinaigre, ba pisse vinaigre, misus ba za ba kozo ani ti ba feuille ya pardon. Poso ya ya ba orange, quand on mange les oranges, alongo les ba orange bien les citrons. À type na kati a bien zoom et tout qui peut nous sa casse. Mais moi je préfère café na mon café et ça la vraiment bien. Na mon café ça la vraiment trop bien. Alors na ça la mon na tiango. Allez. Et koto ke to na koti ka moi to ka bon ata 30 minutes zo to ka na surveiller ka moto pour ka ukati. C'est pour ça que ka uki mingi. Tu sais que ça fait que ça va la marmite va brûler ce qui m'a ka uki. Donc anti ke to ke to ke to ke to ki arôme ko ti ben dale et du sur le nyonso. Il y a d'autres aussi. Il y a une amie qui m'a parlé du genre fabuloso. Je ne sais pas si vous en... Je vais en prendre, je vais vous montrer du fabuloso. Voilà, ça c'est du fabuloso. Je ne vais pas mettre trop à côté de ma marmite. Parce que fabuloso, il y a un mot... En fait, c'est un détergent, on torchonne avec. On torchonne dans un mot, dans la cuisine, dans la... salle de bain et tout, c'est fabuloso. En fait, ça joue aussi le même effet pour désinfecter. Tu peux mettre ça dans la marmite comme moi je fais là, tu mets un peu d'eau, ça bouille et ça, comme vous voyez là, c'est un fabuloso. Le mien c'est, on a dit fabuloso et baking soda avec un peu de bicarbonate et il y a le fruit. En fait, vous voyez, c'est un mélange de fruits, il y a le fruit là. En fait, c'est l'eau. À partir de ça, ce côté maïnaka tanzungu, ça va bouillir après et toki toki toki. Et ça se coule sur le nom, on est panzani, on va comme. Ben, ça enlève aussi les odeurs. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Astuce, n'a rien à voir dans la salle à la semaine à l'ambi, la zui. On a désinfecté, on a fait un petit peu de la soie bien. Voilà, mes légumes sont presque. Encore goûter, on y va, tout le monde va être bien. Comme on dit, on prépare avec pas trop de sel, pas trop d'huile non plus, et plus l'huile d'olive. Voilà, je pense que mes légumes, comme il y a un gros rouillé, un des salés, c'est un peu chaud. Je vais vous montrer alors. Donc,
les légumes et botama inango. Je n'ai même pas rajouté de l'eau. Car moi, sous point d'étiquette par rapport à mes crevettes, yango, moitié. Déjà, bon, c'est coquille. Donc, au moins, on a champignons à l'embi. Crevettes à ou mais la rané vraiment dans 4 ans. Donc, déjà, 4 ans, on va en minuter. On va 10 minutes pour y aller dans sa belle. Donc, c'est ça, quoi. Après ça, on soupe là, pour la soupe là, ah là. Et ça sera pour manger. Donc recette Oyo, là je suis en train de soupir la soupe. Bah légumes là, les couleurs et les poissons. Pour relire mon aloso, je peux accompagner comme moi j'aime trop les légumes. Malgré que natier champignons dans quatre bouées, si j'ai du pondou à côté, légumes verts, spinach, en fait, vous pouvez manger avec du foufou, plantain, le riz, ça passe avec tout. Ça passe avec tout. Donc, je suis en train de mettre juste en bas. Donc ça se mange avec presque chaud. Le riz, le foufou, plantain, manioc, patate douce, c'est comme vous voulez. À checker, je sais pas moi quoi, c'est comme vous voulez. Ça se présente. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. C'était le tilapia aux crevettes et aux champignons. Voilà, ma recette elle est faite. I'm done. C'est comme ça que ça se présente. Et voilà mon assiette. Donc je vais prendre un peu le riz. Je pense que je l'ai mis en verre. Voilà. Riz aux crevettes. Pardon, riz aux tilapia. Aux crevettes et aux champignons. Voilà, c'est fait. N'oubliez pas, après avoir fait, après votre poisson, voilà mon café qui a déjà commencé son boulot. Donc je le fais dès que je finis à préparer. Voilà l'astuce. Je finis, je vais déguster mon plat. N'oubliez pas de vous abonner sur Congo Sara. Ça sera votre nouvelle émission. Alors, c'était cuisine et astuces. Abonnez-vous massivement. Il y aura plein d'autres recettes. En attendant, portez-vous bien chez vous. Bah, joyeux Noël Nabino. Bah, meilleurs vœux. So, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires, parce que ça partage, personne ne connaît tout, on partage, on a yébi, on a partagé, on a partagé, on a. Donc n'oubliez pas, astuce à l'élo et zalaki, comment, après avoir pour l'amba, surtout, bah, l'eau, on a des smakas du genre, on a des smakas du genre, bah, poisson, du genre, bah, pondou, comment, coco désinfecter, on a des yo, et tout à la souvaki, toko. Aujourd'hui, moi, je vous ai parlé, my number one, c'était bouillir du café après avoir fini de préparer. Ici maïnayo, outil maïnamoto, dans mon zoom en pied, outil moi café dans kati du genre et cause à mon pénis café, café caca, outil dans kati. Après,
un récolte de tout ce que la café comme une anda mouba. Déjà avant banda rolamba, il faut make sure que au kangi ba porte, il y a net ya ma chambre et tout parce que sur les kenrati na kat. Donc, au toki si un mosso qui pense à la moté, non quand même sous ba toki ça va vinaigre, à tel vinaigre toki, que ça sur la face, on va faire ça sur le toko. Vamos opener la série bino plus tôt dans la série bino fabuloso. Okoso mbango pe otiemanda otiemai otiemanda mona kat erikotoka nda kuno eza solo ya bien très souvent er na toksa boko bosa na te de fois faut ko fumola pe fene faut ko aeraka na hiver comme maintenant c'est la saison eza hiver alors bat babosa na ra omona bakaninda ku kaka tozo respirer ka ba solo na kat eza mabe il faut au moins ko aeranda kuna yo ko fumoli ba fene ko aerango. En tout cas, j'étais très contente d'être parmi vous. C'est la première vidéo. Il y a cuisine et astuces. C'était Niclette Gata. J'espère que vous avez fait un beau. So, beau méca recette au bureau. C'est pas non, ma casse. OP ammonique à rico remplacé par exemple légumes. Vous savez, vous savez, moi, oh, t'es normal à part champignons, à quoi, bah, qui ça poivron. Donc, c'est un bon recette, bah, tu m'as créé un beau. Bah auto trouva déjà des balambe de l'amour bah tu m'as créé donc bisous tu peux pour créer le but des akaka et on t'a au déguster en gros et ça l'aligne dans mon corps. So I see you next time, même chaîne Congo ça va, vous s'abonner et belé 2020 et je vous annonce qu'il y a Kitoko. So ne ratez pas, bye bye, see you next time.